Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour des livres Harry Potter. Donc, vous êtes nombreux à me demander si j'ai des livres Harry Potter. Ben oui, j'ai tout ça. Donc, je vais tous vous les montrer un par un. Donc, ils sont pas dans l'ordre, hein, je les ai pris comme ça. Donc, j'ai Harry Potter et le prince de sang-mêlé. J'ai le livre là. Donc, je vous ferai une autre vidéo avec le résumé et tout ça. Comme ça ira plus vite. Donc, je vous montre juste le livre. Donc, j'ai celui-là. J'ai celui-là, Harry Potter à l'école des sorciers. J'ai Harry Potter et les reliques de la mort. J'ai celui-là. Alors, j'ai aussi Harry Potter et les enfants maudits. J'ai celui-là. Alors, après, j'ai des petits. J'ai Harry Potter et la chambre des secrets. En petit. Ça c'est la même collection. Je vais essayer de vous montrer dans la même collection. Hein. Je vous promets pas, mais je vais essayer. Donc j'ai à l'école des sorciers en deux fois. J'ai deux fois le même livre. Alors après j'ai celui-là. J'ai Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Celui-là. Après j'ai toute la collection de Harry Potter et la chambre des secrets. Donc j'ai le bleu. J'ai le jaune. J'ai le rouge. Et j'ai le vert. Donc c'est toute la même collection, sauf que le vert ça parle de Serpentard, le rouge de Gryffondor, tous les secrets de Gryffondor, tous les rêves de Serpentard et voilà quoi. À chaque fois ça raconte de la maison quoi. Donc après j'ai Harry Potter et l'Ordre du Phénix en livre comme ça. Il est quand même gros. Alors, j'ai Harry Potter et le sang-mêlé. Et j'ai Harry Potter et la chambre des secrets. Celui-là, il est plus petit, celui-là, il est plus gros. Alors, après, j'ai dans la même collection. Hop, voilà, je les ai tous. Harry Potter et la coupe de feu. Ça c'est un autre. J'ai Harry Potter et le prince d'Azkaban. J'ai le livre. J'ai Harry Potter et les reliques de la mort. Je crois que c'est la première partie, je crois. Ou non, je crois que c'est. Ouais, c'est les deux parties ensemble. J'ai Harry Potter et à l'école des sorciers. Alors j'ai aussi les animaux fantastiques, le texte du film. Alors après, j'ai un ancien livre, Harry Potter et le prince de sang-mêlé, mais il est en anglais. Mais je le garde parce qu'il est beau. Celui-là, je ne sais pas si je serai le lire. Mais bon, voilà. Alors j'ai Harry Potter à gratter. C'est un livre pour ce que tu dois gratter et tout. Mon fils en avait acheté un. Il l'a fait. Et voilà, ça donne ça. Quand c'est fait, c'est. Ça donne les trucs qu'il y a. Et j'ai le deuxième à gratter. Ça, c'est les créatures secrets. Donc, c'est à gratter. Et t'as des créatures qui apparaissent. Alors, après. Voilà. J'ai aussi un marque-page Harry Potter. Un marque-page. Alors, j'ai. Les animaux fantastiques, le carnet magique. J'ai celui-là. Après, j'ai Harry Potter et la carte du maraudeur. Donc, les livres là. Avec les images et tout. J'ai Harry Potter à Poudlard. J'ai aussi la magie du cinéma. Donc, c'est vraiment beau à l'intérieur. Après, ah ben voilà. Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Il est là. Il est super gros celui-là. J'ai la bataille de Poudlard. Alors là, c'est les deux. C'est Harry Potter guide de cinéma. Et guide de cinéma de Hermione. Alors, j'ai Harry Potter, le monde des magiques et les animaux fantastiques en magazine. Donc ça parle vraiment sur l'univers d'Harry Potter, comment ils l'ont fait, tout ça.
Alors après. J'ai encore un livre qui n'est pas déballé. C'est normal qu'il n'est pas déballé. Je l'ai pas encore lu. Alors j'ai Le Monde des Sorciers. La magie du cinéma. J'ai celui-là aussi. Alors là, c'est un tout beau. C'est Harry Potter et les mystères de Poudlard. Celui-là, il est super beau. Je le kiffe à mort. Donc c'est comme ça. Et c'est super beau. Il est super grand. Alors, celui-là, il est encore emballé. C'est Harry Potter et le chemin de traverse. J'ai Fière d'être sorcière. Donc c'est comme ça. J'ai Harry Potter Noël à Poudlard. J'ai Harry Potter et les bonbons. Enfin, on va dire plutôt le magasin des bonbons. Et j'ai un livre que la créatrice d'Harry Potter s'est créé de faire Harry Potter avec le livre là, c'est Edrago. C'est le seul que j'ai. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, laissez des petits pouces bleus, des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis peut-être à tantôt pour les résumés des livres ou une autre fois. Bye!